quoi consiste le métier d'informaticien ? Le métier d'informaticien, en fait, il y en a plusieurs, sont tous les métiers qui ont un rapport avec le traitement électronique ou numérique de l'information. Il existe énormément de métiers dans l'informatique. On a bien sûr les métiers techniques tels que vous les envisagez aujourd'hui. Donc on a les développeurs d'applications, côté réseau, on a les ingénieurs réseau. En quoi le sens du contact est-il important dans le métier d'informaticien ? N'importe quel projet, n'importe quelle activité est le fruit d'un travail collectif. Donc, dans une équipe, il faut savoir s'écouter, il faut savoir se parler. Il faut savoir entendre l'autre, entendre ses contraintes. On doit discuter avec nos clients afin de répondre à leurs besoins. On doit au mieux connaître leur métier. Sur votre temps de travail, combien de temps êtes-vous sur l'ordinateur ? Dans une journée, je dirais que je passe probablement entre 60 et 80% de mon temps de travail devant mon ordinateur. Parmi les projets auxquels vous avez contribué, lesquels vous font rêver ? J'ai travaillé à la mise en place du passeport biométrique. Et c'était un projet passionnant parce que aujourd'hui, je vois les résultats. Moi, récemment, j'ai été refaire mon passeport et en mairie, j'ai vu la constitution d'un dossier électronique, la prise d'empreinte. J'ai été avertie par SMS de la mise à disposition de mon passeport. Le fait d'être une femme est-il un obstacle pour avoir une belle carrière dans l'informatique ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde de l'informatique, on a un peu de mal à recruter des femmes. Et pourtant, on cherche de plus en plus à en recruter, puisque finalement, on se rend bien compte que la mixité est une richesse. Merci de m'avoir accordé cette interview. Merci à vous.